Paroles d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui nous recevons Madame Max Custos, présidente de l'association iRéseau Plus, pour une activité culturelle bien particulière, un rallye auto pour une chasse au trésor sur la musique guadeloupéenne. Bienvenue sur notre Radio Côte Caraïbe, Madame Custos. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à toi, Myriam, et à toute l'équipe. Merci de m'accueillir, et surtout iRéseau. Avec plaisir. Alors, justement, on va commencer par cette présentation de l'association. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur iRéseau Plus? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une association dans sa forme juridique, mais l'objectif, c'est de faire naître un vrai réseau. C'est-à-dire des gens qui ont choisi d'apprendre à entreprendre, mais surtout d'apprendre à faire ensemble. Parce qu'il existe beaucoup, beaucoup d'associations. Heureusement, il existe d'autres réseaux. Mais souvent, les associations ont du mal à être structurées et à aller dans la longévité. Un réseau n'est pas une association. Elle peut avoir plusieurs formes. Mais c'est surtout, comme je dis tous les jours, s'engager, s'investir et investir. Et ses droits, devoirs et sanctions. Voilà, parce que en fait, un réseau poursuit un objectif qui peut être communautaire, qui peut être pour une cause, mais c'est surtout dans la méthodologie de travail, dans les conditions qu'on met pour que le réseau perdure, je dirais même de génération en génération. Très bien. Et vous particulièrement, le réseau fédère autour de quel objectif en particulier? Alors, la priorité pour nous, c'est l'économie culturelle. C'est la Guadeloupe, c'est la structuration des associations, la structuration des entreprises. C'est changer la façon d'aborder les choses. On est dans un système qui est beaucoup décrié aujourd'hui par rapport à toutes les propositions de loi qui sont faites et autres. Et c'est prendre conscience que nous avons le droit de choisir le monde dans lequel on vit, puisqu'on nous a donné le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la parole, donc le libre arbitre, et que chaque fois qu'on pose un acte, il faut que ça demande si c'est bon pour nous ou à qui profite le crime. Donc, voilà, c'est aussi simple. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut réfléchir sur toutes les actions qu'on se pose et ensemble essayer de prendre la meilleure décision pour tous. Et pour chacun. Alors, justement, l'association a voulu proposer un certain nombre d'animations tout au long de ce mois de juillet et août autour de l'élégance guadeloupéenne. Qu'est-ce que vous avez voulu faire par là? Alors, nous avons pris ce thème parce que l'élégance, le mot élégance veut dire choisir. Souvent, quand on parle d'élégance, on dit, on pense tout de suite à la mode, à tout ce qui est fashion. Mais le mot même élégance, qui vient de digérer, veut dire choisir. Donc, qui m'habille? Qui dessine ma maison? Qui définit les normes de ma maison? Qui m'apprend à avoir la bonne posture, la bonne gestuelle, la bonne façon de m'exprimer? Est-ce l'école? Est-ce ma famille? Est-ce la religion? Même dans le vêtement? Est-ce que c'est la mode qui m'habille ou c'est moi qui crée ma façon de m'habiller? Donc, autour de ce mot élégance, il y a énormément de choses. En plus, il y a des centaines de métiers qui se développent. Donc, méditer et s'intéresser à l'élégance, c'est quelque chose qui nous emmène toujours au choix, dont j'expliquais tout à l'heure. Comment être beau, bien. Je peux avoir une très jolie maison, je peux avoir tout, mais si devant ma porte c'est sale, ma rue n'est pas entretenue, que ma ville est en train de mourir, l'élégance urbaine, ça existe. On nous propose toutes sortes de maisons, mais si je prends la maison traditionnelle guadeloupéenne, elle a depuis longtemps toutes les normes qu'on valorise et pour lesquelles on investit beaucoup d'argent, sur la climatologie et l'économie de l'eau. Or, on sait très bien que la maison prenait en compte non seulement l'eau, le vent, l'autosuffisance alimentaire. Donc, est-ce que c'est pas nous qui sommes un modèle pour le monde ou on va chercher ailleurs ce que nous avons déjà depuis longtemps?
Ce sont des questions comme ça qu'on se pose et sur lesquelles eh bien, on essaie d'interagir parce qu'il y a de nouveaux porteurs de projets qui arrivent. Eh bien, en se posant les bonnes questions, ils ne vont pas peut-être recommencer les mêmes erreurs des 10-20 dernières années. Alors, justement, vous avez choisi le champ donc, de l'économie culturelle. Qu'est-ce que justement vous, comment dirais-je, vous avez choisi de mettre en avant en particulier, puisque la culture guadeloupéenne, elle est vaste. Oui, alors, oui, mais comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de fusion, et c'est ça qui est intéressant dans le réseau. Par exemple, on va parler de la musique tout à l'heure, mais qu'on parle d'architecture, qu'on parle, tout est lié. Absolument. Lorsqu'on construit une maison, ben, il faut l'agriculteur, il faut le jardinier tout au moins, il faut l'ébéniste, il faut le charpentier, il faut le décorateur, le designer. Donc quand je parle d'une maison, je ne parle pas que de la construction de la maison. Donc, et dans tout ça, c'est l'économie culturelle, parce qu'il y a pas, dans tous ces éléments-là, il y a un savoir-faire local. Il y a une technicité qu'on a, inventée. Il y a quelque chose qui vient de nous-mêmes. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on travaille. Nous avons 10 commissions, des commissions intersectorielles qui vont de l'agriculture, culture et tourisme, finance, immobilier, santé, et j'en passe. Et nous travaillons en économie circulaire à l'intérieur du réseau. Donc, quand nous prenons, et c'est pour ça que nous prenons des thèmes communs, comme l'élégance ou la musique, parce que toutes les associations entreprises vont, à partir de ces thèmes-là, travailler sur leur propre activité, mais dans une dynamique commune pour faire sortir quelque chose de cohérent. D'accord. Alors aujourd'hui, justement, puisqu'on parle de réseau, combien de personnes, combien d'associations sont constituées autour de vous? Nous avons une dizaine d'associations et une dizaine d'entreprises. Alors c'est vrai qu'on ne cherche pas à, comment dire, il faut que ça soit un choix. On ne cherche pas à voir la Guadeloupe, à rassembler tout le monde. Comment dire, on ne cherche pas à sauver la Guadeloupe. Mais de travailler avec des gens qui veulent apporter leur pierre à l'édifice, qui veulent se remettre en question et nous remettre en question, et qui s'engagent. Donc, l'engagement, c'est dans cet esprit-là qu'on est. Alors, c'est vrai, il y a un procédé pour entrer. Il y a toute une évolution à faire dans le réseau pour que lui-même, pour ce qu'on va prodiguer aux autres, nous sommes obligés de l'appliquer à l'interne. Nous prodiguons la responsabilité. Oui. La construction par nous-mêmes, c'est pas facile, hein? Ça, c'est sûr. C'est pas facile du tout, mais bon, petit à petit, nous faisons le chemin parce que c'est justement d'avoir le courage de se prendre en charge et d'aller le dire et le faire. Alors, on va en venir justement à ces actions concrètes que vous avez certainement déjà pu mettre en place. Dans un moment, on va revenir sur le rallye auto pour cette chasse au trésor. Mais avant tout, quelles sont les autres actions justement que vous avez pu mettre en place, les faits marquants de ces dernières années? Alors, depuis 2 ans, on a travaillé justement sur l'élégance. On accompagne les artisans et qu'ils soient agro-transformateurs ou en artisanat d'art. Par exemple, on travaille beaucoup sur l'art de recevoir faire. On reste toujours dans le même thème. Lorsque on parle de la maison, il y a l'art de la table. Est-ce que ce sont les colliers ou les bijoux qui représentent notre art? Ou alors, il y a toute une série de marchés qui existent et pour lesquels on ne répond pas à la demande. Lorsque je veux dire, moi, chez moi, je veux décorer ma maison de manière, pour écologique, que c'est l'identité européenne. Est-ce que je vais dans les magasins qui font de l'exotisme ou alors je vais chez un artisan local? Donc, on encadre et nous avons un concours qui a été retardé malheureusement, mais qui a lieu, qui s'appelle le concours par la vocation et qu'on fait avec d'ailleurs la Chambre des métiers. Autour de la créativité de l'artisanat. On y travaille depuis 2 ans. D'accord. Il y a l'accompagnement permanent, comme je vous disais, des porteurs de projets. Chez nous, nous avons Plus Belle la Rue, que tout le monde connaît, avec son travail sur l'embellissement de la ville. Nous avons l'association Feuille et Goyave Patrimoine qu'on accompagne dans le fleurissement des balcons, des bocages.
Il y a la relance de la plantation des goyaviers, puisqu'en Guadeloupe, qui est le pays du planteur, eh bien, on trouve encore planteur à base de jus frais. D'accord. Par exemple, des choses aussi simples que ça, quoi. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses. On a participé à la route du Rhum, où on avait des stands où justement on essayait de montrer le bergame Guadeloupe. Donc, la qualité, la démarche qualité, le packaging. D'accord, très bien. Et comment justement arrivez-vous, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, une association, il faut tenir, il faut donc être dans la longévité, on est dans un parcours endurant. Comment est-ce que ça se passe pour votre propre survie? Alors, comment est-ce que vous êtes financé justement pour réussir? C'est vrai que les opérations que nous faisons sont toutes payantes. D'accord. Déjà, puisqu'il faut rentabiliser. Donc, on prend des accords avec les prestataires de services pour nos membres, pour qu'ils aient des réductions suffisamment intéressantes. D'accord. Les gens qui, comme on travaille beaucoup pour nos membres, on est ouvert à tout public. Alors, on a deux publics. On a les membres, qui sont les associations et les entreprises. Oui. Et puis, il y a le grand public qu'on sensibilise en permanence à travers nos associations, qui sont des gens qui vont pas rentrer dans l'association, mais qui sont ouverts à consommer local, à s'intéresser à autre chose. Donc, eux, ils rentrent comme même sympathisants dans l'association. D'accord. Qu'on appelle des réseauteurs. Donc, ils consomment les produits des artisans chez nous, qu'ils soient agro-transformés, artisanat d'art ou autre, les manifestations que font les associations. Donc, c'est deux publics qu'on accompagne de telle manière qu'on arrive à rentabiliser les opérations au mieux qu'on peut. Il y a des jours, ça marche très, très bien. Il y a des jours, bien on essuie les plates. Mais c'est l'engagement qui compte, vous l'avez dit. Alors, ce que je vous propose, on va marquer une légère pause, Madame Custos. Oui. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite de faire un focus sur ce rallye que vous nous proposez. Oui. Une chasse au trésor dans le domaine de la musique. À tout de suite. À tout de suite, merci. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, nous sommes toujours en compagnie de Madame Custos Max, la présidente de l'association iRéseau Plus, et il nous propose une activité bien particulière, une chasse au trésor liée à la musique guadeloupéenne. Alors, d'où vient cette idée, Madame Custos, un rallye auto chasse au trésor? Alors, nous accompagnons le festival du Zouk depuis le départ. Qui a pour vocation, comme nous, de mettre en avant les métiers du zouk, de la musique, je dirais. D'accord. Et particulièrement de faire valoir tous les métiers qui gravitent autour de la musique, et Dieu seul sait s'ils sont nombreux. La deuxième vocation du Festival du Zouk, c'est qu'on est le pays du zouk. Beaucoup de gens viennent dans le pays du zouk et le zouk n'est pas représenté. On n'a pas de musée du zouk, on n'a pas un certain nombre de choses, même si les choses évoluent, parce qu'en 16 ans, les choses ont évolué. Bien donc, sûr. Depuis 16 ans, le festival travaille à ce niveau-là. Et la musique qui nous entoure du matin jusqu'au soir et dans toutes les émotions de notre vie, est-ce qu'on la connaît? Donc, dans ce rallye chasse au trésor, nous allons inviter les gens à suivre les pas de Mélodie, qui est l'histoire d'une musique qui est partie à l'âge de 12 ans, après avoir grandi avec sa grand-mère, et qui est devenue célèbre, et qui se rend compte, en fait, qu'elle ne connaissait pas grand-chose de la musique de son pays. Donc, elle revient et on va suivre ses pas pour remonter l'histoire de la musique, mais aussi pour découvrir qu'est-ce qui se cache derrière la musique. Quels sont ses secrets, quels sont ses pouvoirs, comment on l'utilise, comment elle nous accompagne, comment on fait, on l'a fait nous accompagner à notre issue. C'est quoi vraiment ce que c'est, voilà. D'accord. Mais ce sera fait de manière ludique, amusante. Il y a plusieurs étapes, il y a des énigmes, il y a des... Alors justement, secrets, avant qu'on entre dans le détail de cette organisation, on va commencer par rappeler que c'est donc le samedi 19 août prochain que se déroule ce rallye. Oui, tout à fait. Alors, le point de départ, le rendez-vous alors, sera où? On ne sait pas. C'est quand les gens s'inscrivent, on leur donne le point de départ. Ils ont une énigme et voilà, c'est pour le fun, et on leur donne le point de départ. D'accord, donc dès le début, on est déjà dans l'énigme, dans le mystère.
Voilà, exactement. Très bien. Alors, combien d'équipes attendez-vous pour participer à ce rallye? On attend 50 voitures. 50, d'accord. Et au maximum, voilà, je suppose... c'est-à-dire qu'on conseille aux gens d'être au moins deux ou quatre. D'accord. Dans les voitures, parce que c'est plus intéressant. Oui. Et voilà, et 50 voitures. Bien. Alors, on a dit que on s'inscrit déjà. On doit découvrir un certain nombre d'énigmes, comprendre, résoudre. Mais dans ce que vous nous avez présenté, vous avez dit aussi qu'il y aura des dégustations. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, pendant le rallye, les gens doivent au petit déjeuner. Oui. À l'arrivée, ils doivent déjeuner. Ensuite, ils doivent un goûter, sachant qu'après le déjeuner, il y aura la remise des prix. Et on va clôturer par une zouk concert partie. Et je ne dis pas à l'arrivée. Voilà. D'accord, très bien. Alors, ce rallye sera sur quel territoire exactement? Où est-ce que ça va se passer? Le sud, le nord Gander et le sud Gander. Et je l'ai dit trop. Très bien, jusqu'au bout. Donc, inscrivez-vous pour en savoir plus sur la musique et sur les mots qui entourent la musique. Oui. Alors, en termes de formalité, on peut encore s'inscrire, je crois, jusqu'au 10 août, c'est bien ça? Oui, voilà. Les gens peuvent s'inscrire sur notre site internet. Ils peuvent l'envoyer aussi par mail. Sinon, ils viennent directement à notre local qui est 11 rue Alexandre Isaac. Et où, là encore, ils ont fait du contact avec l'équipe. Et où ils peuvent vraiment nous poser plein de questions. Mais pour ceux qui sont loin de Pointe-à-Pitre, ils vont sur le site internet et voilà où ils nous appellent. D'accord. Alors, j'entends chasse au trésor, un rallye auto. Qu'est-ce qu'il y a comme trésor? Moi, je suis déjà curieuse, hein. Vous ne m'en dites pas beaucoup, là. Alors, on a des voyages, on a des objets divers et variés, hein, que j'ai jamais gagnés, qui peuvent être de l'ordre des appareils ménagers et tout. On aura, bien entendu, la découverte des livres écrits par les musicologues de la Guadeloupe, parce qu'il y en a beaucoup. On les connaît très peu. D'accord. Il y a beaucoup d'écrits sur la musique guadeloupéenne, des albums, bien entendu, des rencontres, des dédicaces. Voilà, en gros. Et puis, aussi, on va découvrir aussi les produits du terroir, puisqu'on met toujours en avant nos producteurs locaux. D'accord, très bien. Donc, on a dit que le rendez-vous, ça se passe donc le 19 août. Un parcours semé d'embûches, de mystères, de dégustations. Et il y a aussi des rencontres avec des artistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, c'est déjà dit. Tout ça aussi fait partie de la chasse au trésor? Donc voilà, mais ils seront là. On ne pourra pas inviter tous les artistes à Guadeloupe. Bien sûr. Mais certains des communes de lesquelles on visite, et surtout à l'arrivée, voilà, puisque bon, on va faire des clins d'œil. Depuis qu'on travaille, on se rend compte cette quantité-là. Tous les jours, hein, on écoute les musiques, mais on ne mesure pas la quantité d'artistes qui font des choses extraordinaires, des musiques qu'on n'entend pas en radio. C'est un plaisir pour nous de travailler là-dessus parce que tous les jours, on découvre. Hier soir, on était à la conférence sur le Festival du Zouk. Et il y avait tous ceux qui ont accompagné l'émergence du Zouk. C'était riche. Et je dis merci Seigneur, un pays formidable et des gens formidables. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de donner aux gens d'aller découvrir ce que nous-mêmes, nous sommes en train de découvrir en travaillant sur ces sujets-là. D'accord. Donc, un rallye autour, chasse au trésor sur la musique guadeloupéenne. Beaucoup de mystères, Madame Custos n'a rien lâché, donc il faut s'inscrire. Dites-moi, est-ce qu'il y a des formalités administratives particulières qu'il faudra quand même faire pour participer? Oui, tout à fait. Il y a un règlement intérieur qu'on remet parce que c'est quand même la route. Donc on demande aux gens d'être assurés, bien entendu, c'est la première des choses. Nous avons mis en place les services de sécurité, d'ambulance et tout, parce que et nous-mêmes, nous sommes couverts par l'assurance. C'est un règlement intérieur qu'on lit aux gens pour qu'ils puissent respecter le respect des autres. Les rallyes chasse au trésor comme nous faisons, c'est pas le premier qui arrive, c'est celui qui a remporté le maximum de questions, qui a répondu au maximum de questions, d'énigmes, qui a trouvé toutes les étapes.
Donc, c'est lui qui sera le premier. Alors, voilà. Rappelez-nous, il y aura combien d'étapes quand même à franchir? Et avoir gagné toutes les, et avoir tout fait. D'accord. Voilà. Rappelez-nous combien d'étapes qu'il y aura à franchir? Il y aura, disons, 9 à peu près. 9. Voilà. D'accord, très bien. Bon, donc, 9 voilà. étapes, chasse au trésor. On est en équipe. Voilà. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il y aura un nombre de temps? Parce que c'est, vous avez prévu toute la matinée donc de ce samedi 19 août. Mais est-ce qu'ils auront un temps limité pour trouver les énigmes? Les gens sont convoqués pour 6h30 au départ, pour qu'ils puissent quitter à 7h30 le lieu de départ. On va remettre les carnets de route, puisque c'est un carnet où il y a l'histoire, le récit de Mélodie. Donc avec les enveloppes de secours et toutes les informations, les cartes géographiques qu'on offre et tout. Là, ils partent, ils font leur allée et on les attend à l'arrivée pour 13h, 14h ou plus tard. D'accord, ils donc ont, alors, dans bien chaque rempli. Étape, il y a des commissaires qui sont là pour valider leur passeport et s'assurer qu'ils ont bien répondu aux questions posées. Ou au jeu, en fait, peu importe ce qu'il y aura dans l'étape. Mm-hmm. Et donc, quand ils arrivent à l'arrivée, nous remettent les passeports, le carnet de route, ils le gardent, parce que j'espère qu'on aura mis, c'est pas j'espère, mais on fait tout pour que ça soit un document qui puisse relire, hein, qui puisse transmettre dans la famille et autres. Et là, après, on rentre dans les festivités post-chasse au trésor. Très bien. Et justement, qu'est-ce qui nous attend ce jour-là en termes d'animation? Ce jour-là, comme je disais, hein, quand vous allez arriver, après le déjeuner, il y aura la remise des prix, des rencontres avec les artistes. Ensuite, bien entendu, remise de cadeaux. Et ensuite, la joute partie avec les artistes sur le podium. Un moment où vous lâchez prise, c'est les vacances, jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h, très bien. Ouais. Alors, rappelez-nous donc les modalités pour s'inscrire. Vous l'avez dit donc sur le site internet. Je crois tout qu'on est autour donc de 70 euros, c'est bien ça? Oui, sur notre boîte mail, iresosecretariat@gmail.com. D'accord, iresosecretariat@gmail.com. Sinon, le téléphone 06 90. 04-37-08. D'accord, très bien. Donc, c'est le fixe, hein, vous m'avez dit. Non, là, c'est le... Le portable. Pardon, excusez-moi. J'ai donné le fixe et le portable, c'est le 94-61-78. Alors, on rappelle donc deux numéros de téléphone, le 05-90-04-37-08. Et il y a également un portable, 06-90-94-61-78. Voilà, tout à fait. Très bien. Ben, Madame Custos, on vous remercie. Et donc, on attend toutes ces équipes. Remercie. Toutes ces équipes, donc, le 19 août. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 10 août prochain. Et donc, venez découvrir la musique. C'est ce qu'il y a à dire. Oui, j'espère que vous serez avec nous. Absolument. OK. Très bien. Merci encore. Merci à très à bientôt. Vous, Myriam. Merci. À bientôt. Merci. C'était Paroles d'actualité sur Radio Côte-Caraïbe.